Catherine Deneuve et Yves Saint-Laurent, ce qui les rapprochait tant. Ils se sont connus débutants. Elle, au cinéma, lui en mode. Deux stars en devenir, unies par la même passion pour la mode. Catherine Deneuve, femme de choix et de conviction, avait 20 ans lors de leur première rencontre. Une longue robe de crêpe blanc avec un plastron de broderie rouge, voilà le début d'une longue collaboration professionnelle et amicale. Sa gravité perçante dans les essayages et sa grâce timide dans la vie ont enchanté toutes ces années que nous avons traversées. Notre complicité silencieuse, nos fous rires et notre mélancolie nous ont réunis, explique la star française dans un communiqué de presse publié le 29 octobre 2018, jour de l'annonce de la vente. La mère de la comédienne Chiara Mastroianni et de Christian Vadim a donc décidé de se séparer, non sans mélancolie, de la partie émergée de cette amitié inestimable. Car chaque veste de tailleur, chaque robe du soir, jupe, accessoire, qui constitue cette garde-robe pour beaucoup constituée de haute couture, témoigne de l'amitié indéfectible entre le couturier et la star française. En déambulant dans les pièces où près de 300 lots sont exposés avant la vente du 24 janvier, on s'attend presque à voir les deux amis discuter, bras dessus, bras dessous. Ce n'était pas une amitié copain-copine comme on l'entend aujourd'hui, c'était une amitié douce, pleine de respect, d'étincelles, raconte Dominique de Roche, ancienne directrice de la communication de la maison Yves Saint-Laurent. Ils sont de la même race, ils se sont reconnus, cela les isolait et les rapprochait en même temps, ils avaient tous les deux l'audace des timides, surenchérit Olivier Châtenay, consultant en patrimoine de mode. Et de rappeler qu'en 1971, le couturier avait posé nu pour son premier parfum pour homme. Et qu'en 1968, la comédienne n'avait pas hésité à se glisser dans une robe fourreau totalement transparent et à la taille prise de plume. Deux caractères rebelles qui ont, l'un dessiné, l'autre sublimé, le vestiaire de la femme contemporaine. Du cousu main.